Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 113 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Binary Domain. Binary Domain qui est un jeu de tir très récent, on va dire 2012 ou 2011. Je ne sais plus du tout, vous regarderez dans la description, je le mettrai. Mais c'est un jeu qui n'est pas tellement bien fait, vous le voyez. Donc je tiens à signaler dès le début. Attendez, je vais faire la campagne, on va attendre que ça charge, je vais vous signaler quelque chose. Promenade. Ouais. Je vais peut-être laisser. C'est l'aide aux commandes. Je vais peut-être la laisser. Alors, je crée une donnée de sauvegarde. Voilà. Alors, je signale les bords noirs que vous voyez sont tout à fait normales. Je suis dans la résolution maximale de mon écran et il y a des bords noirs. Alors, bon, bah, déjà, ça part mal déjà au niveau graphisme. Je vous laisse l'histoire. Ordre du bureau exécutif de l'Agence internationale de technologie robotique. Il y a 42 heures, le conseil de l'IRTA a autorisé le déploiement de casseurs à entrer au Japon incognito afin d'enquêter sur les rapports concernant le développement des robots à aspect humain de la société Amada. Vos ordres sont d'entrer dans la digue de la baie de Tokyo et d'infiltrer les bas-fonds de la ville inférieure. Rejoignez les autres équipes nationales et foncez vers Amada. Il s'agit d'une opération d'infiltration sans que le gouvernement japonais ne l'approuve ni le sache. Vous devez engager les forces locales au combat, mais l'IRTA niera toute implication. Bonne chance et bon voyage. Bienvenue au Japon, mon frère. Tu parles d'un accueil avec ta sale gueule? Est-ce où les geishas? Attends de voir ce que je porte sous cette combinaison. La dentelle? Donc voilà, c'est à nous de jouer. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Là, on peut pas bouger, je peux pas avancer. Sers-toi de ta radio si Sers-toi de ma radio, c'est rien à dire quelque chose. Ouais, tu peux parler avec le micro, à partir pour communiquer, maintien R. J'ai quelques exemples. Ouais. Lol. Là, il m'explique en gros comment ça marche. Bon, tu as compris comment te servir de ta radio? Oui. Merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok. Oui. Bonne réponse. Continue comme ça. Il a entendu. Donc ils entendent ce qu'on dit. Bon, c'est un peu. On peut répondre à ces questions. Faut répondre comme ça. Alors tu peux toujours sans casse faire désactiver commande vocale. Oui, on peut les activer. Donc j'avais configuré la. Tu peux sauter ça si t'en as besoin. Bon, tu veux passer le micro, le micro avant. Tu peux sauter si t'as pas besoin. Ouais, on en a. Allez, pas besoin. Donc là, je viens d'éviter qu'il nous explique tous les trucs. Mais je peux... Ah voilà, c'est bon. Il va dire je peux toujours pas bouger, mais non, c'est bon. Les tirs sont pour viser. Quoi, moi? On escalade là. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Parle doucement, mec. Ah oui, donc alors, ouais. Premier détail. Oui, il entend tout ce que je dis. Donc quand je parle, il entend et de temps en temps il me dit parle doucement. Arrête de parler. Donc c'est vrai que ça peut être chiant. Ce que je vais faire. Yop. On peut pas faire. Non. Alors je voulais changer. J'ai un truc mais non. C'est quoi tes plans une fois que tout est fini? Donc il nous parle en même temps, il nous raconte un peu l'histoire. Non, il raconte sa vie, vacances, tropique, bon. Ouais, je le savais, comme toujours, quoi. Bon, bah faut qu'on fasse ce boulot, rapidos. Allez. Arrêtons de discutailler. Pourquoi est-ce qu'on doit bouge tout seul, non? Ah, non. Avec ce temps de merde. Pour l'instant, on s'ennuie un peu, je trouve.
Alors, à quand l'action pour voir à peu près ce que ça va donner. Remarquez que le contrôle n'est pas non plus aussi aisé que d'autres jeux à troisième personne. Enfin, moi je vous le dis, ce que je ressens, c'est un peu la merde. Base ici, Beetle 2. On vous reçoit, Beetle 2, ligne sécurisée, repérage verrouillé. Position actuelle, 35 degrés, 6356 secondes par 139 degrés, 7724 secondes. Merci, Major. Ça te dirait de parler dans une langue que je comprends? Tu te rapproches du point d'infiltration, du con. C'est à moins d'un kilomètre devant toi. Ouais, on y arrive maintenant. Ça devrait pas poser de problème. N'oublie pas de maintenir le silence radio une fois à l'intérieur de la digue. Nous couperons la ligne une fois que tu seras passé. Des choses à ajouter? Ouais, dis à ta mère que je l'aime. Je t'ai entendu, Boteng. À vous. Et nous revoici. Alors, on est parti. Là, vous avez vu que je pouvais changer d'arme. C'était avec la molette. Alors, bah tiens, une animation encore. Oh. Quoi ? J'en ai 6 en vue. Non, 7. On nous encercle. Major, nous sommes attaqués. On doit avoir des renforts. T'es payé pour ça, Boteng. Contente-toi d'aller au point de rendez-vous. T'attendais à autre chose? Non, étant donné qu'on t'appelle les survivants. Putain de journée. Hé, hey, c'était pas mon idée. Et c'est parti, c'est à nous de jouer, sauf que là, bah, l'autre, il a donné l'alerte, enfin. On a toute une armée de robots qui nous arrive sur la tronche. Et il va falloir qu'on les dégomme. Sans se faire dégommer. Alors j'essaye un peu de trouver un peu le... Comment faire pour... Pour les tuer, putain, c'est un peu la merde pour viser. Là, je vous dis tout de suite, regardez ça, ça bouge. Casse-toi. Ouais, faut vraiment que je leur vise dans la tête, mais alors comme c'est la merde pour viser. Allez. Vous remarquez que mon collègue parle. C'est parce qu'en fait il croit que je lui parle. Et comme j'ai vu, en fait j'ai regardé tout à l'heure comme ce que je regardais dans les paramètres. En fait c'est pour modifier la... Comment c'est à dire, la sensibilité, mais non. Donc non. Je peux pas le désactiver entièrement puisque j'en ai besoin. Je préfère l'utiliser. Et en même temps, l'autre, bon, on discutera plus tard. Voilà. Il a l'impression que je discute, mais on s'en fout un peu. Donc pour l'instant, je dégomme un peu du robot. Il y en a encore là-haut, non? Ah oui, c'est quoi ça? C'est quoi ces machins? Hop. Et de deux. Et voilà. Et donc maintenant, on peut continuer. Mon collègue, de toute façon, il est déjà parti. Allez. Ah, les graphismes ils sont pas tellement beaux hein. Je sais pas comment ça va rendre sur la vidéo, mais la pluie est mal faite. Regardez le sol comment c'est dégueulasse. Et franchement le graphique en général sont pas très bien réalistes ni poussés. Un truc par le passage. Fais quelque chose. Alors fais quelque chose. Okay. Mon fusil d'assaut, faut que je prenne le fusil d'assaut pour le faire. Donc pour changer d'arme j'utilise. Non. Voilà. Tu peux pas tirer avec ce BP sans puissance. Il va falloir le charger. Il va falloir le charger. Comment je charge cette connerie? Tu peux emmagasiner l'énergie. Là. D'accord. Donc ici, je peux emmagasiner de l'énergie. L'onde de choc est une attaque. Non. Allez, si je tire maintenant, ça fait rien du tout. Ouais. Comment j'emmagasine l'énergie? C'est censé venir tout seul ou il faut que je le fasse? Ça doit peut-être être marqué dans un message que j'ai fermé. Oh, il pourrait nous le marquer en plein milieu de l'écran quand même. Moi je suis bien avec le fusil d'assaut quand même. C'est bien. Ouais.
Non mais il faut que je garde le fusil d'assaut, il y a rien à faire. Voilà, ils me disent ouais, ouais. C'est pour le moment. Hein ? Eh ben Ah, onde de choc. Sûr. Maintien enfoncé. Ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout quand je le maintiens enfoncé. Parce qu'en fait, je sais pas ce que c'est. Moi, je vois pas ce que c'est le bouton là. C'est écrit. Pour moi, c'est 3 pixels blancs l'un à côté de l'autre. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est ce bouton. Alors, j'essaye toutes les touches. Je suis en train d'appuyer sur toutes les touches. Alors, si je sais pas comment c'est possible qu'on puisse pas voir exactement qu'est-ce que c'est que ce bouton. Regardez, c'est un petit trait blanc. Non, ça c'est juste pour tirer. j'ai peut-être pas usé toutes mes munitions. Ah voilà. Trouvé. Et ben voilà, on peut avancer maintenant. Ouais, bah il était temps. Hein. Donc c'était la touche mage. Mage de droite. Touche mage de droite. Donc faut vraiment le savoir. Un robot de surveillance à 12 heures. Sachant que c'est pas lisible déjà, c'est pas top. Il appellera des renforts s'il nous repère. Mais ils atterrissent où d'où c'est qu'ils viennent ceux-là? Et des robots ils ont atterri devant moi quand même. Ils sont quand même trop forts. Oui c'était nickel, merveilleux. Par contre là on est en plein milieu du champ de tir des robots. C'est peut-être pas la meilleure des, le meilleur des endroits pour me fait un peu charcuter la tronche. Ouais. Merde. Est-ce que je peux mettre là derrière? Ah bah ouais comme lui là. Allez vas-y. Allez. Ça a commencé à devenir sévèrement rouge autour de moi. On discutera plus tard. Oui, non, mais c'est bon, je te discute pas. Foiré. Ah putain, il y en a un à côté de moi. Non. Il se traînait par terre, le mec. Ah lol. C'est bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Hop. J'en profite pour ramasser un peu leurs armes. Hop, c'est quoi ce machin? Non. Bon bah, on va continuer. Hop. Allez. C'est un peu tout pas droit tout ça. On saute. Ah non, je veux pas me cacher derrière. Oula, un gros monstre. Ah lui il est tout pas beau lui. Pas d'arme assez puissante pour la base. Ça me suffit. Tirons-nous. Yo. Ah merde. Il faut même pas essayer de le tuer. Ah, j'ai essayé de le dégommer le truc. Merde, il faut que je cours aussi. Allez, on fonce. On ne s'arrête pas. Allez. On leur rentre dedans. Merde. Ils en ont jamais marre. L'ennemi est en train de craquer. Tiens bon. Ah ça devenait vraiment tout rouge là. Putain merde. Allez. À vous. Le contrôle à chier quoi, j'hallucine. Vas-y. Hop là. Les aînés vas-y. D'abord, mon ami. Vous êtes tous des petits bras. Le mec il saute. Et nous, on va y aller aussi, j'espère. Bon allez, c'est parti, on y va et on saute. Nager. Non. Je suis trempé de tout. Allez. On est dans l'eau. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour laisser passer ce pétrolier. On dirait que la porte de s'ouvrir pour monter dessus. On doit faire ça. Donc le but va falloir aller monter sur le pétrolier. Attrape-le vite, hein. Prêt. Allez, c'est parti. On discutera plus tard. Oui, tais-toi. Il faut qu'on écoute mec. L'endroit groupe de robots de surveillance. Oh là là. Foutu s'il nous repère. Il a l'impression que je lui parle. On avance sans se faire repérer, caché dans la pénombre. Alors, il y a des robots qui nous espionnent un peu partout. On va essayer de se planquer dans la flotte. La flotte est mal faite aussi, au passage. Un peu tout qui est mal fait. Enfin bon. Les bords, ils font 30 000 mètres. Ouais, les robots nous surveillent. Appuie sur... Ah ! Non, c'est bon, il n'avait pas vu. Mais de toute façon, s'ils me voient, je sais pas ce que ça fait. Qu'est-ce que ça, genre, ils vont m'attaquer ? De toute façon, moi, je peux même pas leur tirer dessus, je peux même pas les attaquer. Maintenant on doit se dépêcher et rattraper le temps perdu. Par ici mon frère. Hop. Ah d'accord, il faut appuyer sur F. Hop là. Bon bah ça le fait tout seul, c'est magnifique. Alors, c'est un peu l'exercice, hein. Ouais, t'as raison. Sauver le monde. On connaît nos priorités. Donc là pour l'instant j'essaie surtout de me barrer. Je sais pas pourquoi il y a des petits passages comme ça.
Hop. Et on refait surface. Ici. Ah merde. Il s'est arrêté, je vais peut-être attendre. Ah bah maintenant il me dit d'y aller. Enfoiré. Hop 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 hop. Il y a des robots de surveillance qui nous couvrent après. Qui nous... Ah non non non. Je ne suis pas là. Oui mais moi il y a un robot de surveillance. Oui ta gueule. Regardez, il me surveille. Non 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 non. Casse-toi robot de surveillance. Merde, ça en finit jamais. Allez, allez. Ah bah lui il se planque même pas sous l'eau. Par contre moi quand je suis sous l'eau j'arrive pas à avancer. Yo, plus tard. Il vient de parler, le robot. Ah et les mecs qui me tirent dessus. Ah vite 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 avant que je meure, vite 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 vite. Voilà. J'ai eu de la chance. J'aurais pu mourir sans pouvoir me défendre d'ailleurs. Voilà, et on s'accroche au pétrolier. Ah bah ça s'accroche tout seul. C'est une cinématique. Stoche hein. Maintenant on peut se reposer. Tiens bon mon vieux. Ok. Travail accompli. D'un autre côté, j'espère qu'il s'est calmé, hein. Mais j'en doute. Voilà comment on fait! C'est du gâteau! Enfin bon. Donc voilà, on pourrait continuer la mission, mais on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Et puis le jeu, je l'aime pas tellement. Donc voilà. Ce sera tout pour Binary Domain. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.